Notre herbier abrite plusieurs grandes collections, mais sa collection phare est celle de Roland Bonaparte. Il parcourut lui-même la campagne, passa également commande à des naturalistes voyageurs, à des ecclésiastiques en mission et acheta des herbiers privés. Pour héberger ses immenses collections, il fit construire un opulent hôtel particulier avenue d'Iéna à Paris. À sa mort, sa fille, la princesse Marie Bonaparte, ne souhaitant pas le conserver, en fit don à la Faculté des sciences de Lyon, excepté les fougères qui restèrent à Paris au Muséum national d'histoire naturelle. 22 wagons furent nécessaires pour déplacer la collection. À son arrivée à Lyon, elle resta d'abord dans une chapelle, puis fut logée quai Claude Bernard et enfin intégra un bâtiment spécifiquement construit pour elle au début des années 70.